Bienvenue dans le village de Banabois. Le village de Banabois. C'est tout petit et pas très grand, Banabois. Banabois. Ça va pas plus loin. Ça, c'est l'école, je crois. Une école maternelle. L'école maternelle. Le village de Banabois. Alors, c'est quoi ce bordel là? Ah, premier problème. Donc, ça, c'est voie publique. D'accord. C'est nullement à lui. Donc, une voiture morte ici.
Bandabois. C'est calme. C'est très calme, Bandabois. C'est propre ben, la voie pour l'instant, c'est très propre hein. Regardez, ça c'est Bandabois. Franchement, je suis étonné là, le lieu de poubelle, vous avez vu le lieu de poubelle à Bandabois. Quelle propreté, punaise. Waouh. Pour une première fois, je râle pas quoi. Ah, c'est super ça. Super de voir ça à Bandabois. Ils font leur taf. Il y a même un parc de sport. Attention. Hey, je vais vous montrer ça. Il y a un parc de sport à Bandabois. La vache. Aïe. Hey. Franchement. Hey, les gens de Bandabois, vous plaignez pas. Vous plaignez pas parce que vous avez tout pour faire des activités sportives. Eh ben, Bandabois, c'est une petite ville, mais c'est un petit village. Mais ouais, avec tout ça, on peut travailler pour se muscler. Putain. Oh la vache. Eh. Non, je suis très choqué. Même à Mamoudzou, j'ai pas encore vu ça à Mamoudzou. Franchement, chapeau Bandabois. Bandabois, chapeau. Il y a un air de jeu pour les enfants. On se croirait à La Réunion ici. On se croirait à La Réunion, je vous le jure. Non. Eh, je reste bouche bée. Une zone pour faire des abdos. Ici, vous pouvez faire des abdos. Là, vous travaillez. Aussi des abdos, les bras plutôt, mais c'est sympa, très sympa. Un petit terrain pour les enfants et les grands. Non, ils ont bien fait ça. Punaise, wow, quelle surprise, Bandabois. Je savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Hein. Je savais pas qu'il y avait ça. Et maintenant, tout le monde le sait. Vous pouvez venir ici. Les gens qui sont dans les villages, les villages voisins, vous pouvez venir. Hein. Vous pouvez venir, c'est pour tout le monde, c'est public. La petite plage. Toujours propre. Ah, je vous montre, hein. C'est toujours propre. Hein. Pour l'instant, je vois pas de canette ici, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, regardez, je cherche des canettes. Bien. Bandabois. Washi Usuchala. Bandabois, ils ont décroché la palme d'or. La palme d'or. Bon, quelques déchets ici. Des petites poches par-ci par-là.
Donc je vais monter sur la route. Tu vois, ça c'est le genre de truc, ça là, c'est le genre de truc, si un enfant comme ça, mais pas de claquettes, son pied rentre dedans, sur les rails de fer là. Il y a moins de trucs à dire ici pour l'instant. Bon, ça, quand même. Faut qu'il en ait un peu. Il fait chaud. Alors, là, il y a quelques déchets, il y a des déchets. Voilà, il y a des déchets. Bon, on dirait à la plage, ils se concentrent pour bien nettoyer. C'est bien, mais il faut que ça soit partout, là. Il faut que ça soit partout. Par contre, le plateau... Il n'y a plus de sport à Mayotte ou quoi là?
Eh oui, sport oublié, basket, volley. Oh là là, mais quel gâchis, quel gâchis. Ah. Oh, il fait chaud. Il fait très chaud. Bandaboa. Pour ceux qui arrivent sur le live, c'est à Bandaboa. Les gens de Bandaboa, vous êtes où les gens de Bandaboa? Ah, le stade de foot. Le stade de foot. Allons voir le stade de foot de Bandaboa. Surprise, surprise, surprise. Déjà, il y a des élèves. C'est en travaux.
Et là, le stade de foot. Oh. Attends. Attends, ils ont posé du synthétique. Non. Ah, attends. Regardez le terrain de Bandawa, regardez. Alors par où on peut passer là? Là c'est fermé. Fermé ici. C'est du synthétique ou... C'est quoi ce gazon là? C'est quoi? J'arrive pas à savoir si c'est du synthétique qui est posé. C'est du synthétique, je crois. Bizarre. En tout cas, très beau stade. Hein, très, très, très beau. Je vais passer l'autre côté, là. Je vais passer l'autre côté, je vais voir si je peux rentrer. Il faut que je pose les pieds dessus. C'est bizarre. Ah, c'est ouvert. Regardez quand même, malgré le stade, tu vois, qui est beau, il y a toujours des trucs. Il est beau, hein, regardez. Ils ont fait même une petite piste ici. Là où les athlètes ils peuvent pratiquer. Bon, regardez, ça c'est les gens, ça c'est les gens. Putain, ouais, c'est du synthétique, ouais. Mais putain, et hey, regardez le stade de Bandawa, le stade de foot de Bandawa, c'est pas une dinguerie ça? Non. Non, quand même, ouais. Mais il manque des choses quand même, là. Il manque des choses. Mais c'est pas mal. Tu vois, on peut faire des choses qui ont une équivalence de la Réunion ou à la France. Donc, ouais, il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer. Putain! Ah, je suis choqué! Oh, les amis, je suis choqué! Gazon synthétique. C'est très mou quand tu montes dessus. Là, tu joues tranquillement là-dessus. Hein. Tu te blesses pas quand tu plonges. Comment dire? Tu te râpes pas la peau avec la terre bien compacte. Il n'y a pas de terre compacte. Donc c'est cool de voir ça ici à Bandawa. Bravo. Mais il y a du positif et du négatif comme partout. Hein. Je pense que il reste encore de l'investissement à faire. D'accord. Il reste de l'investissement à faire encore. Faut que je bois un truc frais. Salam alaikum. On a fait un vidéo baridine. Amina, je vais faire un baridine. Combien? Fanta canette. Ranga 1. À combien? Il fait chaud. Oh là là.
Merci. Bandaboa. On est à Bandaboa. C'est bien ça. Je suis content. Content. Assalamu alaikum. Nous sommes tous les marais bien. 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 Nous Boy. Doku, Bandaboa, Bandaboa, Bandaboa. Les amis, j'ai bu un truc frais là, je me sens bien. On a fini de visiter à Bandaboa, d'accord, immersion à Bandaboa. Là, j'en peux plus là. Donc, nous voilà, on a fini, c'est tout petit à Bandaboa. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait là, moi? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait quoi là? Oh, attends. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Il y a un truc qui m'a échappé là. Ouais, la canette, je l'ai mis à la poubelle là. Il y avait une poubelle où je passais. Non, vous inquiétez pas. Moi, je fais attention. Je fais attention à la nature, d'accord? Donc, c'est important. Ah, je m'assois un petit peu. Oh là là, ça fait du bien de s'asseoir. Ah, punaise. Bon, les amis. Eh oui les amis, voilà le constat que vous pouvez voir.
ici à Bandaboua. D'accord. Le constat, voilà. Le constat, il est ce qu'il est. Moi, je fais que reporter, hein. Je fais que reporter les faits, et que pour que vous puissiez voir ceux qui sont en France, à La Réunion, etc., pour que vous puissiez voir ce qui a évolué chez nous et ce qui n'a pas évolué, ce qui ne va pas, pour avoir une idée quand vous serez ici, quand vous allez venir. Donc vous serez déjà préparé par rapport à Mayotte, chez nous. Donc c'est pour ça que je filme dans chaque ville. Quelques nouvelles aussi que j'aimerais donner. La page va s'orienter sur beaucoup de choses. D'accord. Comme je peux le dire et que je peux en témoigner. D'accord. La page... ces pages-là, tout ce qui se passe, chez ces pages, les groupes, etc., c'est moi qui a collaboré, c'est moi qui a structuré, c'est moi qui a travaillé dessus. Il n'y a personne d'autre qui a travaillé dessus. Voilà, tout simplement, j'étais en collaboration et que certains nombres de choses qui se sont passées. Et voilà, je réfléchis à des décisions parce que bon. C'est un petit peu difficile, dans certains contextes, d'accord, que je ne peux pas suivre, que je ne peux pas partager, et voilà, il faut que je continue mon chemin, il faut que je continue à vous montrer ce que je vous montre, voilà, tout en ayant une rigueur et du respect. Voilà, je ne laisserai personne m'insulter, je ne laisserai personne me manquer de respect. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Sachez que je vous aime, sachez que je suis fier de partager tout ce que je partage avec vous, avec qui que ce soit. J'ai été fier de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit ici, sur cette page ou ailleurs, d'accord. Mais il est temps que moi j'avance, il est temps que, voilà, parce que moi je suis une grande personne, je n'ai pas le temps de perdre le temps sur des choses gamineries quoi, tu vois, ça m'amuse pas, je n'ai pas que ça à faire, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et voilà, je vous aime, et Inch'Allah, vous verrez d'autres villes aussi. Inch'Allah, je vous montrerai d'autres choses aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse avec ce beau paysage que vous allez voir. Ça, c'est la signature de Bandaboua. Bandaboua. Allez, on se voit dans une autre live. Inch'Allah, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde.